Watch the Clause. Salut YouTube. Et bienvenue dans ce 113e épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Dans le précédent épisode, on s'était fait chier à traverser tout le bled de la mort là. L'Arcadia, la Messania, pour arriver à Elis, où le champion de Sparte s'est vautré dans l'eau et s'est fait bouffer par un requin. Du coup, bah c'est moi qui vais... Enfin, c'est moi. C'est Cassandra qui va participer aux Jeux Olympiques. Alors, voyons voir où est-ce qu'on se trouve. On est là. Alors, vous voulez me dire qu'on est là? Un Valet d'Olympie. Ok, Valet d'Olympie, c'est par là, d'accord. Ok, donc on traverse, on y va, quoi. Parce que, ce que je vois, là, il n'y a toujours pas de... de téléport, Michel. Ok, bah avance. On n'a pas tellement le choix. Alors, il y a un truc juste à côté, là. Moi, ça va être là... voilà, l'entrepôt habituel. Oh, il y a des mecs du culte. Bonjour, Michel. Let's keep out of sight. Someone save me! Ah là, casse-toi. Y'a d'autres Michel ou... ah, ils sont là-bas. Ah merde, j'ai cru que j'allais prendre le... Non, j'ai vraiment fait de la merde, la Michel. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la merde en tout début d'épisode. Pendant longtemps, dans ce let's play, ça a été une tradition. Hein. Je remarque un truc. C'est que les dégâts en mode hardcore, je viens de percuter, sont proportionnels à la vie. Les ennemis ne font pas un taux de dégâts fixe, ils nous font un pourcentage de dégâts. Ce qui fait qu'en fait j'ai bien l'impression qu'avoir 25%, alors contre plusieurs ennemis, bah, ça a posé un souci. Mais là le coup de hache du mec m'a enlevé 75% de mes 25%, quoi. Exactement, quasiment comme ce qu'aurait fait le coup normal, donc c'est étonnant. Oui, c'est Tine, Michel. Ah mais c'est des mecs du culte, alors je descends ces FDP, moi. Il dit qu'il y a qu'un seul trésor alors que j'en vois clairement deux. Parfait. Et donc celui qui est là-bas, hein,
Il n'a rien à voir avec ton propos de Kalia, c'est ça que t'es en train de me dire. Dis donc toi. Très bien, on a buté tous les adeptes. On est content. Ah tiens, bon, allez, on se casse. Je crois que la route c'est ça de toute façon, allez, on y va. De toute façon on avait tellement le choix. Ah les jets... Les jets comme ça là de... Ah. Ouais. C'est de la merde. Truc là-bas. Tout allons-y. Bonjour. Merci Michel. On va se dire que nous, on veut aller dans la à Olympie, voilà. Donc, on va dire par là, quoi. Ça va, roule, hein, c'est tout droit, on y va. La baie des sables mouvants, très bien. Ah voilà, il y a un téléphone là-bas. Élise, la ville d'Élise. Parfait.
Et pas vu, bien sûr. Bah saute, espèce de connasse. Ok. Et c'est où alors Attends, il faut monter là. Hein, ouais. C'est bien ça. Toujours pas de quête, Michel, hein. Ici, là, on a un point d'Araxo, c'était là. Il y a le bateau, il peut servir de... Moi, je pense quand même que si j'avais été voir là, j'aurais trouvé un trou de téléport, quand même. Je pense. Écoute, on va passer par les marais oubliés, là. City we could see from Mount Ainos, Icaros. I've always dreamed of coming here. D'accord. We have the finest quality merchandise. Non, ils vont pas de... Très con ce cheval, hein. Il y a un animal alpha ou est-il? Putain, c'est des cochons. Oh là là. Voilà, ride. Tout à fait raison. C'est vrai qu'il n'y a rien à pêcher là-dedans. Let's go. C'est très bien d'ailleurs. Les ruines englouties de dysfonction. Hop. Oula, y'a quoi là-bas?
On peut pas sauvegarder, putain. Et dans l'eau, c'est vrai. Oh là là. T'avais pas tout trouvé, putain, il y en a encore. Ah, c'est des disciples d'Arès, ça. Putain d'enfoiré aussi. Putain, il y en a plein là-bas en fait. Qu'est-ce qui est flouté sur le panier, tu m'expliques, et le pari n'est pas sorti alors que le pari était tout à fait dans le timing. Au final, 25% ça change absolument rien. Les dégâts des ennemis sont proportionnels, c'est tellement débile. Got to be careful not to get spotted. Du coup, je peux me remettre le soin en fait. C'est la suite. Il y a une tablette ancienne, Michel. Ah là là, on veut la tablette. Ah là là, on veut la tablette, Michel. Quoi?
La tablette est là-bas. Parfait, Michel. C'est bon, il n'y a plus personne là. Hein. Ah, ils sont tous crevés, on est parfait. Tiens, donc nous on est où? On est là. Et on va là. Ah, il y a ça là. Vas-y, on va y aller, il y a un point de TP. Ah, tiens, donc c'est par là. Viens, allons-y. Reste à courir un peu. Ils sont complètement débiles les civils dans ce milieu là. On va voir ça là. Putain, des ours. Sauvegarde, Michel. Ok, je sais pas trop ce que c'est non tu vois.
on est là. Bah écoute, on va là. Alors voilà, je pense. Ah. Non, on va d'abord aller là parce qu'on a un truc à buter. On va aller faire ça. De sanglier là. Il nous reste à affronter. Alors si c'est le même sanglier de la mort que le tout premier qu'on affronte d'ailleurs. Et ultra relou à cause des ads. T'arrêtes pas de te rentrer dedans, c'est absolument infernal. En voilà un nouveau. J'espère qu'il est moins relou, mais étonnamment je ne compte pas dessus. Je m'attends à un combat particulièrement casse-couille. C'est de là où on était tout à l'heure en fait, avec la ferme inondée où il y avait le... Il y avait déjà un cochon premium là. Voilà, c'est juste au-dessus en réalité. On va passer sur le côté. Ah putain, il y avait un... J'ai tué le cochon et j'ai pas pris la récompense qu'elle a me batté. Cochon. Putain, tout ça pour un javelot bien nul, bordel. Ok, alors ça va être dans ce merdier là. On va se mettre sur le... Sur les hauteurs là avant de... Ah je le vois, il est énorme, c'est le machin blanc là-bas je pense. Le truc qui est là là. Putain mais c'est bien cochon ça. Ouais ben Michel. Il y a un ours le cochon, putain. Même pas, c'est même pas lui. Oh là là. By Zeus, what's with the size of the boars in this country? Y a pas d'autres sangliers, y en a qu'un autre. Ah, ils sont dans le coin, quoi. Oh là, si, oh putain, Michel. Oh, quel enfer. Vas-y, hein, pas le choix. Bordel. Oh.
Non mais je lui fais... Oh tiens Delia, ce bâtard. Zone, putain. Putain, c'est le gros fils de pute quand même. Là j'étais dans le recovery du de l'arc et j'ai pris super cher. Putain, il prend, c'est le, évidemment c'est le premier qui prend pas les dégâts de d'arc comme apport comme les autres, évidemment. Évidemment. Et ben on va le tenter au Schlass Michel. Bah d'accord. Quoi ? Mais non, mais je me suis soigné normalement le... Il y a un délire, le soin là, il soigne le poison, non ? C'est pas clair. C'est pas clair, Mission. Tout ça n'est pas clair, mais c'est pas grave. En tout cas, oui, on fait plus de dégâts. La dague sur lui. Ouf. Il a pris un critique. Allez, casse-toi. Il a failli me tuer avec son poison. Hein. Bordel, il a pris un critique à 1 200 000. Et ça lui a mis 3 quarts de la barre. Propre. Ah, j'ai particulièrement apprécié ce combat. Je suis mort 2 fois avant, ça aurait pu me faire rager, mais au final, j'ai vraiment bien vécu cette confrontation. Hein. Vraiment. Vraiment très bien vécu. Ah, le critique sur l'attaque de surpuissance à 1 200 000. À ma foi. Au début, je me suis dit, bah, 120 000, c'est merdique. Non, non, 1 200 000, Michel. C'est propre, hein. C'est tellement propre que... Et je pense qu'il y a plein de mecs qui vont en chier parce que je pense que le combat est particulièrement relou. Mais il y en a qui vont en chier sur le combat et Michel il est arrivé, hop, le coup critique, 90% de barre. Ah, c'est bien. Et bien sûr. Donc... Toi, j'en ai rien à foutre. Écoute, on va aller vers là. On va essayer de trouver un point de TP parce qu'on est là. Maintenant, on a buté tous les animaux, donc on va pouvoir retourner au temple d'Artemis qui est là, là. Mais bon, je veux un point de TP avant, donc on va avancer tranquillement par là. Putain, très satisfait. Hein. Critique de l'enfer, là. C'est propre. Hein. Ah, ça doit être de l'autre côté de la vallée, là, je pense.
ça pue la grotte, ça. Enfin, c'est une grotte, c'est sûr. Hein. C'est beau, Michel. Hein. Ah ouais, c'est une grotte, ça. Oui, ça, c'est certain que c'est une grotte. Hein. Ou un tombeau, une connerie, mais... Alors, un tombeau du premier champion. Bah, écoute, il nous reste 7 minutes, Michel. Oh là, il y a du monde. C'est quoi ça? La stèle ancienne, d'accord. Bah écoute, une petite sauvegarde et puis allons-y. Putain, je les avais pas vus ces bâtards. Putain, vraiment, petit enculé. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il faut enculer. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille, hein. C'est par là. On y va. Foiré de serpent de Vomer.
C'était particulièrement pute, ça, Michel. Je t'ai vu, toi, enculé, t'inquiète. Oula. Il est trop lui-même. Il y en avait un énorme bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sale enfoiré de serpent des morts. Viens là. Il y a un truc qu'on n'a pas dû bien faire, on va recommencer. D'ici, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Aucune embrouille, hein. C'est par là qu'il faut aller. Et on vient là, systématiquement.
y aller. Hein. Ouais, c'est le début, hein. Pas d'embrouille, hein. Écoute, on continuera notre investigation et notre exploration du tombeau du premier champion lors du prochain épisode, mais on a dû passer à côté d'un passage, c'est sûr et certain. Bon, on verra ça au prochain épisode. Salut les gens!